dans ce track, ce ne serait plus Serge Gainsbourg, mais qu'est-ce que ce serait? Ce serait pas forcément French Touch. Et un track qui me touche encore, si on dit, si ce n'est pas tabou de le dire, c'est Ron. C'est son track Je suis musique. Parce que le son, oui, c'est vraiment très 70s, c'est très disco 70s. Mais le message, les paroles, music, we feel the pain, we feel the love. On sent le mal, on sent l'amour. Mais c'est musique qui te mène à travers la nuit. Support nightlife instead of demolish it, so that's cool. I don't know about in France, but in the rest of the world, it's kind of starting to happen. Yeah. Everywhere is different, you know what I mean? So just no matter where we go, we always have fun with each other, just hang out. You know, we always say that we're hanging out. You know, we're just playing records, hanging out. So yeah. So for us, it's just like having fun. You know, playing music, and it's always jokes between us, so we're always having a good time whether it's a festival or a club. So I think my favorite part is seeing these unexpected gold sneakers. Yeah. look at the gold sneaker. It's getting younger, the future is getting younger, you know what I mean? So there's gonna be a lot of more craziness, especially from us three, so be on the lookout. Years it has been difficult to play Paris, and now it seems to be one of the best places in the world to play, and it really, it was like a shift over, like if somebody had like turned the switch on, and now everybody's on, and it's really nice now. Yes, yeah, but for many years it has been difficult, but I mean, I know that many people who have made parties here for a very long time, they were really working to make a change. And now it's here, so it's good. As a musician would be good. From what I gather, it's a bit of a cultural melting pot, which is cool because there's a lot of different influences in Paris, I think, from a lot of places around the world, which is really good. In a club, you're kind of inside and it's a lot grimier and kind of it's more intimate, but in a festival there's a lot more room for kind of yeah, it's like openness, and yeah, people are more ready to kind of celebrate because it's quite often it's out of the city, and you know, people get away from their normal lives for festivals, so it's a cool vibe. Every time I played a show in Paris, it's one of the best crowds. It doesn't matter, like playing a concert or a festival, or like DJing in Rex Club, like it all feels pretty vibey to me. There's a really amazing history of all of that here, so I think it's part of the cultural context of music here in a way that it isn't everywhere else. Power is actually something you can possess, and you can be dancing tonight in front of the concert, and you can illuminate that little bit of mud should you be walking into a quicksand. As I said, honestly, please do not forget, it's really up to you. The festival can only make the platform, but you're the ones who are going to make the difference. Have a great time.
depuis quelques années, tout le monde le sait, la scène parisienne a vraiment progressé, et aussi la province au final, parce qu'il y a des très très bons spots qui ont ouvert en province, des très très bonnes soirées, je pense à Marseille par exemple, le Jardin Suspendu. Ce genre de spot en France, par exemple, ils émergent, je pense, avec la superbe qu'a Paris en ce moment. On peut écouter de la disco, on peut écouter de la techno, de la très bonne house, les labels parisiens aussi, ils sont en train d'éclore dans tous les sens, les collectifs, etc. Mais je me rappelle d'un endroit, le 7521, qui était au 6B, je crois, à Saint-Denis. Voilà, ça c'est un... Ouais, ça existe toujours, ouais, ça c'est un spot auquel j'avais joué, j'avais grave kiffé d'ailleurs. Et là j'ai mon ami Nick, voilà, il y a un happening. Voilà, Nick, malin génie. Buongiorno, how are you? This how is are you? Trax Magazine. Hi, Trax Magazine. What's the difference between playing in Paris or playing in any other European capital? Wow, the people are very excited, very chic. I don't know. I like it. I'm here a lot, and they're always friendly to me. And the food is great. Moi, il y a bien sûr un côté de Paris qui est très ce que les Allemands appellent chikimiki, c'est BCBG, bon chic, bon genre et tout ça. Et franchement, pour moi, c'est un conflit parce que ça m'ennuie. C'est un côté qui me dérange. Et peut-être ce soir-ci, à cet événement, on a pu laisser ça parce qu'il y a beaucoup d'espace ici. Et le sens d'espace et la liberté, ça annule les différences de classe, de race, sociale. Ce que pour moi, c'est quelque chose qui gêne, qui dérange. Laisser les apparences et on pourrait plutôt se concentrer sur comment ça se ressent et comment on se sent dedans et pas dehors. À New York, j'explorais beaucoup parce que j'étais jeune. Et à Berlin, j'ai appris aussi une espèce de discipline, c'est-à-dire je vais dans rigueur, c'est ça. Cette tension entre ce qui est improvisé, ce qui est africain, ce qui est parfois aléatoire, et ce côté de musique est très ordonné et mathématique et rigoureuse, comme tu disais parfois. C'est cette balance qui rend la musique belle, je trouve. Et c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup très fort ici, à Paris aussi, parce que Paris, pour moi, est vraiment une ville africaine, bien plus qu'on imagine. Bien plus que beaucoup de personnes avouent, je crois. Parmi pour moi est la ville africaine, surtout de l'Europe, plus que n'importe quelle autre ville. C'est une émulsion en ce moment. C'est encore en train de s'activer. Ça part dans tous les sens. C'est mortel. Il y a beaucoup d'échanges dans les différentes scènes, etc. Et nous tous les deux, on en est le parfait exemple. Parce que moi, plutôt daron du côté venant de la techno d'il y a très longtemps, machin. Moi, venant du rail et... Ouais. De toute façon, quand tu regardes Max Greff, enfin tous les mecs qui savent vraiment jouer de quelque chose, ou tout de suite c'est plus haut, James Blake, enfin tu vois, je peux t'en citer plein. L'impulsion de la musique, elle doit être créatrice ou une envie, un besoin. Sinon, la base, elle est galvaudée. Mais il faut garder la passion, quoi. Et il faut pas oublier les personnes pour lesquelles tu le fais et qui te donnent tant d'amour et tant d'énergie, en fait, en contrepartie. Et c'est juste c'est ce qu'il faut pas oublier, quoi. C'est les gens qui sont importants. Il faut donner. Le milieu de la fête, c'est un point très spécial, c'est un endroit très spécial parce que c'est là où tous les domaines se réunissent. Et donc c'est un domaine de domaines, tu vois. T'as des gens de tous horizons qui viennent se mélanger en un seul domaine qui est l'événementiel et la fête. Et ça, en plus ça se passe la nuit, donc c'est une espèce de versant, de pendant de ce qui se passe le jour, tu vois. C'est là où le bien et le mal sont mélangés d'une façon hyper étriquée. À la fois l'extrême du partage, l'extrême de la tolérance et du vivre ensemble, incarné dans des événements éphémères, dans des instants d'éternité, tu vois, accompagné de tout le rituel qui, pour le coup, est autodestructeur.
donc la consommation d'alcool et de drogue. Et du coup, il y a des gens, ils prennent de la drogue et après, ils passent le meilleur moment de leur vie, tu vois. Mais vraiment, le meilleur moment de leur vie, quoi. Genre, ils sont là, waouh, c'est le truc le plus fat. Et puis bah, après, ils se disent que ce truc-là n'existe que par la drogue, tu vois. Donc c'est dommage, parce que c'est faux. Quand je sens une impatience, par exemple, tu sais, les gens, ils ont un cri de guerre en soirée, c'est « Allez là ! Allez là ! Allez là !» Et en fait, « Allez là !» Je trouve ça énorme comme phrase. Ça veut dire tellement de choses. C'est la foule qui se parle à elle-même et qui dit « Allez là ! Allez ici !» Tu vois, genre « Allez là !» Ils sont en mode « Allez là !» Genre, tout de suite maintenant, « Allez !» Tu vois. Et je trouve ça très beau. Mais par contre, quand tu entends ça et côté, du côté des platines et du côté du DJ, et ben ça fait hyper bizarre parce que tu dis, le gars il fait allez là! Et tu te dis, mais est-ce que c'est pour. Ouais, est-ce que tu veux plus? Et tout, c'est quoi? C'est mon kick qui va pas? C'est quoi le délire, tu vois? Et donc c'est vrai que parfois j'entends allez et je me dis, franchement, ta gueule, tu vois? Et j'ai de la violence qui monte comme ça et je me dis, ah non. Et après je me dis non, c'est le mauvais esprit et tout qui est là, qui est en train de me piéger, tu vois. Donc là je respire un coup et je me dis, c'est l'expectative ambiante qui vient me blaser, tu vois. Donc je me déblase et je repars.